Salut les escrocs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour, enfin, la suite de cette carrière manager avec Norwich City. Après 3 semaines d'inactivité sur ma chaîne YouTube, comme vous le savez tous, voilà, je suis parti en vacances en Espagne et du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéos sur ma chaîne YouTube. Et du coup, voilà, on va tranquillement reprendre cette carrière, on va essayer de terminer cette carrière avant la sortie de FIFA, du nouveau FIFA tout simplement. Et avant de continuer, je voulais juste vous remercier pour toutes les, enfin, tout ce temps que vous êtes, pour tous les messages que vous m'avez laissés, que ce soit sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook ou Snapchat aussi. Sur Snap, vous avez été nombreux, nombreux à me suivre cet été. J'ai rigolé d'ailleurs avec pas mal d'entre vous et d'ailleurs vous avez été quelques-uns à me spotter en Espagne et à venir me voir, que ce soit en boîte ou ailleurs. Et du coup, je vous remercie parce que voilà, ça m'a permis de discuter un petit peu avec vous. Et du coup, voilà, donc gros gros big up à toutes les personnes qui se reconnaîtront et qui sont venues me voir en Espagne. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Oh non, je rigole. On est parti pour la suite, du coup. Alors attendez, parce que moi, je suis complètement perdu. C'est vrai, on a recruté Jermaine Defoe pour notre retour dans l'élite en première ligue. Murphy à gauche, Bailey, Madison, Kessier, Mariani. Attendez, là, il y a des blessés, il me semble. Kluivert, il est là. Pineda. Ah oui, Pineda, Galdames, c'est vrai. Pineda revient de blessure. Alors déjà, on va pouvoir le mettre, le petit Pineda. Je vais remettre à la place de Madison. Ouais, mais je peux pas sortir Ojeda. Je vais sortir Rousseau. Et je vais mettre Madison sur le banc. Emre Mor, il est là. Kluivert, Pepe, on est pas mal. Et du coup, après, ça sera le... Ah ouais, d'ailleurs, Pineda, il est là. Et ici, normalement, c'est Galdames. Galdames qui est toujours blessé. Hop, on va sauvegarder ça. On est bon. On va juste aller voir vite fait le calendrier pour voir ce qui nous attend tout simplement dans cet épisode. J'espère avancer... Enfin, j'espère. Je vais essayer de faire pas mal de matchs pour avancer un maximum. Manchester City, Chelsea... Sunderland, Leicester City, et on terminera, on va faire 5 matchs. On va faire 5 matchs, c'est pas mal, et on terminera face à Leeds. Du coup, là, on se pose pas de questions, on avance tranquillement. Normalement, Pineda est bien remis de sa blessure, donc il va pouvoir jouer ce match, rapport mensuel. Laisse-moi tranquille. Hop, on est bon, 2 jours, Reina va bien. Ok, tant mieux pour le Napoli. Joueur appelé en sélection. Ok, off pour le poste sélectionneur. Non merci. Tac. On est good. On est parti. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer. Ça fait plus de 3 semaines que j'ai pas touché à la manette. Donc on va essayer de se remettre dedans tranquillement. Sachant que on joue quand même en légende. Donc des fois on se fait quand même taper. Là on joue face à City. Toute l'équipe est en super forme. On est parti, let's go. Eh oui. Eh oui, il est ici. On a besoin, on est obligé, c'est la reprise, voilà, il faut du tropico, ouais, on est parti. Taro, good job, Théo Hernandez. Encore, t'es physique, toi. Ah, oh là 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 là, Mariani, bien joué, mon gars. Hop, c'est parfait, Orbelin. Léon Bellé. Bien joué tout ça les gars. Serna qui monte. Le contrôle, la frappe Pirou. C'est pas cadré, dommage. Mais ça je combine bien, c'est pas mal. On est dominé. Gardien Rudy. Oh là 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 là, bien joué Pelin. On est ultra dominé pour l'instant. Je sais pas si on va tenir. Bien joué Rudy. Oh là 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 là, on n'arrive pas à se dégager, même les contre-attaques ça passe pas. Allez, c'est pour toi celle-là. Voilà. Voilà, tu te dégages mon gars. Oh 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 oh. C'est moi qui fais faute. Ah oui, non, j'ai cru. Excusez-moi, ça va, excuse-moi monsieur l'arbitre. Ouais, carton pour Sterling. Bien joué, le décalage il est fait. Hernandez, tu t'appliques. Olé. Il s'en est fallu de peu qu'il reprenne ce ballon de la... Oui, bien joué. Non, Taco. Excusez-moi monsieur l'arbitre, ça va, je vais prendre une biscotte dans 2 secondes, je le sens. Sané. Non, Sané va trop vite. Jory, ça crache tout le maillot là. Ça va beaucoup trop vite, ça va beaucoup trop vite. Bien joué Rudy. Ok.
Ok. 1-0 pour City. Super. Ouais, bah ouais, bien sûr. Bien sûr. On se fait complètement bouffer. Bon, après, c'est mérité. Hein. Vu de la première période, je crois que j'ai même pas fait une seule frappe. Enfin, si, j'ai fait une frappe. J'ai mis une tête à bout portant en 6 mètres. Mais sinon, pas grand chose. Pas grand chose, vraiment. Et du coup, c'est largement mérité ce 1-0. Mi-temps. 1-0 pour City, comme je disais, c'est largement mérité au vu de la première période. Va falloir vite se réveiller. Parce que sinon, on va prendre. Bon, on va couler et on va prendre une belle fessée. Voilà, Pineda, c'est ça. Arrête, fais pas genre. Arrête pas le jeu, hein. Il part, Bailey. Allez, ils sont lents. Tu repiques dans l'axe avec ton pied gauche. Bien joué. Oh, rattrape-toi, Murphy! C'est même pas Murphy, je sais pas pourquoi j'ai dit Murphy, c'est. Je voulais dire rattrape-toi Mariani. Ouais, oh, commence à me saouler Sané là. C'est bon, tu mets que des coups de joystick mon gars. Voilà, bouge de là. Oh là 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 là, merde, la passe. Oh, il est tout seul. Bien joué Rudy. Allez, joue vite, fort. Ça passe. Emre Mor, c'est pour toi. Allez. C'est pas fini, tu récupères. Y'a rien du tout! Il met le pied sur le ballon! Arrête ça, sérieux! La boulette. Ouais, c'est mérité, hein. Franchement, ce match-là, on se bouffait 2-0, y'a rien à dire, j'ai pas tiré une seule fois. T'es tout seul, clé verte, allez! Oh, jeu d'au but. Allez, siffle. Défaite 2-0 pour ce premier match face à Manchester City. La victoire de City est largement méritée. On a fait 4 tirs d'affilée à la 90e minute. Donc c'est un peu comme si on finissait avec 9 tirs à 4. Donc bon, ouais, je pense que ouais, la défaite est largement méritée. Il n'y a pas d'autre mot. Donc il va falloir se remettre dedans et vite se réveiller. En plus, on joue Chelsea au deuxième match. Donc ça va être très très dur. Là, on enchaîne sur du très très lourd. Attendez, hop, je vais juste simuler les entraînements. On va rajouter un joueur. Emre Mor. On va mettre Emre Mor. On va le mettre par contre en tir. Ah bah merde, il est déjà utilisé. Donc attendez, je vais juste regarder. Il y a qui? Murphy, Emre Mor, Mariani. Ok. Défense, on s'en fout. On va pouvoir remettre Pineda vu qu'il vient de revenir de blessure. Et je vais le mettre au niveau des frappes, je pense. La brésilienne. Ouais, en marquage, il est pas dégueu. Ouais, on va l'augmenter en brésilienne, comme ça il va avoir de meilleures stats en interception. On est bon. On simule tout ça. Et ensuite, bon, on enchaîne avec Chelsea. Ça va être très très dur. Oh là là, le F pour Pineda, ça pue. Ça pue. Tac, on est bon. On enchaîne. Ouais, on a une bonne semaine de repos. Donc du coup, on va pouvoir remettre l'équipe 1. Ça, c'est parfait. Entre chaque match. Par contre, je sais pas du tout au niveau du classement ce que ça donne. Parce que c'est vrai que ça fait 3 semaines. Je me souviens pas du tout. Off pour sélectionner. Non, merci. Hop, on s'en fiche. Retour du blessé Galdames. Ça, c'est intéressant. Parce qu'au milieu de terrain, on a vraiment besoin de lui. Emre Mor, prochain match, ouais, tu rentreras en jeu. On a vraiment besoin d'un Galdames là. Mariani, hop. Ouais, Galdames, il n'est pas totalement remis malheureusement. Je vais laisser Mariani en réserve parce que Madison est très très bon. Je prends le risque de faire jouer Galdames et au pire, je ferai rentrer Madison en deuxième période. Ou Ojeda, on verra bien. Mais c'est vrai que Ojeda, il est rentré tout à l'heure, il a fait une bonne fin de match. Donc je pense que je ferai rentrer, remplacer automatiquement le joueur indisponible. Je pense que je ferai rentrer Madison sur ce match-ci. On va jouer avec notre maillot blanc, on va les laisser en bleu. Jermaine Defoe toujours en pointe, Bailey, Murphy. J'espère que Defoe, Bailey et Murphy ils vont se réveiller en pointe parce que là ça va pas du tout. C'est parti. Du coup on est en tête, Chelsea deuxième. Si on perd face à Chelsea, Chelsea prend la tête du championnat. Oui, j'avais complètement oublié qu'on avait fait un début de saison magnifique. Du coup ça va, même avec la défaite de City on reste en tête.
Bon là par contre les gars, pas le droit à l'erreur là. Là, pas le droit à l'erreur. On est parti. Hop, Galdames. Bien joué Galdames. Caissier. Oh, il a pas fait le petit râteau. Matic qui passe. Allez Galdames, faut revenir. Mathieu. Oh là, Rémi ça va vite. Mais Mathieu il le lâche pas. Voilà, bon, genre avec un pressing pareil, t'arrives à t'en sortir quoi. Ouais, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un Orbelin. Et il marque. Gardien. Je Murphy, faut sortir. Gardien encore. Bien joué Rudy, bien joué. Allez, relance vite sur Murphy qui est là. Oh, le contrôle magnifique Murphy. Bien joué ça. Ouais, la bonne circulation. Oh là 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 là, bien joué Murphy. Allez, ça peut aller au bout là. Ça peut aller au bout ça. Ouais, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Je me suis enfermé et je pouvais pas centrer parce qu'il était vraiment revenu très très vite le défenseur. On récupère ça, c'est cool. Attention, on se jette pas. Rudy, bien joué. Pff, magnifique Serna. Ça, c'est du sauvetage. Le tir et l'arrêt du gardien. C'est pas du tout là que je voulais la faire, mais tant mieux, c'est cadré. Puis ça nous permet d'avoir un bon corner. Allez, oh elle est belle! Il s'en est fallu peu. J'ai du mal avec la tête. Entre Mariani juste avant et là, Pineda qui est tout seul. C'est même pas le point de pénalty, c'est encore plus près, c'est à bout portant quoi. J'arrive pas à cadrer de la tête, c'est un truc de fou. Gardien! Gardien, c'est quoi cette dinguerie? Bien joué Rudy, bien joué, ça va. Tu m'as fait peur, mais tu te rattrapes. Bon, pour l'instant, c'est un match un peu fermé. On a plus d'occasions que Chelsea. Mais faut faire quand même très, très, très attention parce que il n'y a que 1-0. Interception. Interception. Alors là, Emre est mort. Alors là, tout est dans le contrôle, hein. Hop là! Ouh! Emre est mort! Il prend sa chance. C'est pas cadré! Dommage! L'exploit personnel d'Emre est mort là! Il a pas assez enveloppé son ballon. J'ai cherché la lucarne, mais ça passe au-dessus malheureusement. Oh l'erreur! Et par contre, les escrocs, c'est la première fois que je vois un dégagement de gardien, un 6 mètres plutôt, pardon, c'est pas un dégagement, un 6 mètres foireux comme ça. Ça arrive, mais tellement, tellement rarement. Soit ils dégagent au loin, soit ils font la petite passe sur l'angle, mais à chaque fois dans l'angle et quand ils font la passe, il y a personne. Bon, par contre, là, après avoir quasiment marqué, oh là, il y a personne devant. Ouf. Après avoir quasiment marqué le 2-0. Si on se fait égaliser en toute fin de match, ça va pas le faire. Ah oui, bah oui. Bah oui, bien sûr, David Luiz. Bah oui. Et puis quoi encore? Deux buts pour gagner, mais vu leur réaction. Vas-y, passe D. Oui. Ça passe. Oh oui. Oh, la passe D du gardien. Bon, victoire 1-0. Face à Chelsea, c'est un très très bon résultat, même si je pense que on aurait pu gagner un peu plus largement si Défaut n'avait pas croqué autant devant le but, parce que je pense en toute sincérité mettre Défaut sur le banc pour le prochain match, juste histoire qu'il comprenne que voilà, juste pour lui mettre la pression. Voilà, il passe pas dans l'équipe bis, mais prochain match, il a pas le droit. Voilà, c'est sa punition. T'as pas le droit de mettre un poteau et de rater ça. Je suis désolé. En plus, c'est à la maison. Hop, Défaut, le capitaine. Je t'adore, frérot. Mais du coup, ça va être Pépé en pointe. Pépé, Bailey, Murphy. Murphy, d'ailleurs, j'ai envie de mettre Kluivert parce que c'est vrai que je t'ai pas vu des masses. Et on est bon. Tac. Ok. C'est parti. On enchaîne avec Sunderland. Du coup, on fait Sunderland deuxième du coup. Mais là, ça fait deux fois. Tout à l'heure, c'était Chelsea deuxième. Cette fois-ci, c'est Sunderland qui est en train de faire un très très bon début de saison. En même temps, on leur a vendu Pritchard. Mais surtout, je sais pas si vous avez vu en pointe, ils ont André Silva quoi. Tout va bien.
Bon, Bicazerie sur le côté. Oula. Cernat, rattrape-toi. Hein. C'est Cazerie. Voilà, bien joué. Ah, bien joué, Galdames. Non. À quel moment il y a faute, monsieur l'arbitre de touche? 5 minutes de jeu, carton direct. Non, mais. Suivre très attentivement dans ce match. Ouh, Pépé! C'est pas cadré. La roulette était magnifique. Dommage, il se retourne, roulette directe, le plat du pied. En plus, il est sur son bon pied, quoi. Il est pied gauche. J'ai vraiment du mal à cadrer hein, depuis le début de la vidéo là. Je vais pas prendre un carton pour Pineda et maintenant Galdames, arrête. Sérieux? Carton pour Galdames, carton pour Pineda, mais 2 minutes de terrain quoi. Oh là 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 là, André Silva il va pas rater, il va pas rater. Bah oui, allez, sanction. Commence à tacler. Ah non, pas avec Pineda. Pineda, bien joué. Pineda a déjà un carton jaune, forcément. Mais t'inquiète pas qu'il va y avoir des tacles. Oui. Ah bah oui, bien sûr, j'avais oublié. Oui, bah oui, il y a Beckham à Sunderland. Bah oui, bien sûr. Je vous avoue que là, ce match commence déjà à m'énerver un petit peu. Oh, elle est belle! Boum! Ah, dommage, Pépé. Dommage. C'est pas grave, les gars. C'est bien joué. Allez, faut continuer comme ça. On se crée des occasions. Ça revient. Il a choisi de centrer. Oh, magnifique! Oh là là! Il prend sa chance. Ah, les gardiens qui gagnent sont du. Allez, Hernandez. Tu remets. Allez, ça va au bout, ça. Ça va au bout, Théo. Au deuxième poteau! Voilà! Oh, oui, le but. Bien conclu! Égalisation partout. Bon, on a fait le plus dur, on a égalisé. On revient partout juste avant la mi-temps, c'est parfait. Maintenant, il va falloir essayer de prendre l'avantage face à cette équipe de Sunderland. Mais ouais, je vous avoue que là, l'arbitrage, il m'énerve un petit peu. Donc, je sais pas comment ça va se passer. Ah bah oui! Ah bah oui! Allez, vas-y! On s'est complètement bouffé. Oh là 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 là. J'ai vraiment énormément de réussite parce qu'ils sont en train de se craquer devant le but. Soit ils se craquent, soit j'ai mon Rudy qui fait des parades exceptionnelles. Mais là, on s'en sort très bien dans ce début de deuxième période. Hein. Du coup, je sors Cluivert verte pour faire rentrer Emre Mor et je décale Bailey à gauche. Et carton jaune pour Nagnon. Bon, on fait une petite collection de cartons, c'est pas mal. Oh là 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 là, Mayday. Mayday. Rudy. Oh là là là. Heureusement pour nous qu'il décide de tirer de loin. Parce que s'il rentre dans la surface, je pense que c'est but. Oh, ça c'est super. Non! Bah vas-y, mets-moi un carton tant qu'à faire, comme d'habitude, quoi, chaque faute. Et largement à leur portée. Voilà, coup franc. Mais c'est pas possible. C'est pas possible cet arbitrage. Je préfère en rigoler plutôt que de m'énerver, mais. Je prends sur moi. J'espère qu'on va pas le perdre ce match. Hein. On s'approche de la zone de vérité. Pas de pénalty, pas de dinguerie. Il essaie de prendre le match à leur compte. Arrête! Ça passe comment ça? Jamais ça doit passer. Match nul hein, partout. Match nul face à Sunderland. 11 tirs à 5. On s'en sort bien. On s'en sort très bien. Parce que bon, c'est vrai qu'on s'est quand même fait bien manger. Chelsea qui fait un partout face à West Ham. Liverpool un partout aussi face à West Bromwich. Everton Manchester City. Ils n'ont pas encore joué. Nous, on va simuler les entraînements et ensuite on va tranquillement se diriger vers notre prochain match, mais c'est vrai que là on perd quand même pas mal de points entre la défaite, bon après c'est vrai qu'on a quand même gagné face à Chelsea 1-0, mais ouais non ça va, on a 3 points d'avance sur City. Du coup Defoe accueille ses anciens coéquipiers, oui, mais malheureusement Defoe était puni vu qu'il s'est totalement craqué, il a pas joué ce match, donc là il va reprendre sa place de titulaire face à Leicester. Offre pour le poste sélectionneur, non merci, c'est bon. Hop, résiliation de l'offre, ok, je suis soulagé, ouais, laisse-moi tranquille. Hop, on est bon, on a l'extérieur, on va jouer avec nos maillots noirs, on va les laisser en bleu.
Defoe reprend son brassard de capitaine, sa titularisation, Murphy, Bailey, Galdames. Ouais, c'est la meilleure équipe que je peux mettre là. Allez, c'est parti les gars là. Go se réveiller. Ah, Moussa il est cheaté. Moussa il est cheaté. Tu jouais Mathieu. Allez. Allez. Ils sont pas replacés. Allez Murphy. Ce sont les leaders du championnat, hein, ne l'oublions pas. Oui, des leaders qui dictent le rythme dans ce championnat. Allez. Bien. Ouais, je sais pas s'il joue le ballon. Pour Leicester, finalement. Voilà, pareil. Pareil. C'est pareil, c'est un coup de physique. Il met un coup de physique, moi je lui remets un, il y a faute. Non. Je suis pas d'accord. Oh, c'est caissier. Ouais, mais c'est bien joué tout ça. Une bonne opportunité. Oh, c'est pas passé. Wouah. Carton. Bien arbitré. Là, cette fois-ci, c'est bien arbitré parce que c'est vraiment en retard là. Avec ta choucroute là. Joli retour. Très très bon retour, Orbelin. Non, ça ne passe pas. Non, 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 qu'est-ce que tu demandes un penalty, toi ? Y'a rien du tout. Mais Moussa, arrête-toi un peu ! T'as pas marre d'être cheaté comme ça ? Attends. On va observer quand même la décision de l'arbitre. Bon, le carton jaune. Il va falloir qu'il se tienne à carreau maintenant. L'arbitre, il commence à se lâcher, quoi. Entre le carton jaune de Murphy et celui de Mathieu, là. Je sais pas ce qui se passe avec les arbitres, mais ils sont tous contre moi. C'est impressionnant. Le décalage. Bailey. Oh, il y en a marre des poteaux et des barres. C'est bon, quoi. Tout le temps. Bon, mi-temps, on a failli faire un petit hold-up dans cette première période parce que je pense qu'au niveau des tirs, Leicester est largement devant. Oh, 8 tirs, 0 cadré. Par contre, ils ont un vrai problème en attaque, enfin au niveau de la finition. On a vraiment de la chance. On a vraiment de la chance et on a failli faire un magnifique hold-up puisque Bailey a mis une barre transversale en toute fin de première période. Merci. Là, faut se réveiller par contre. Ah, je pense que l'arbitre a hésité là pendant un moment. Hein. Mais attends, mais il y a un problème. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5 cartons jaunes. Mais non, mais je sais pas un moment, mais. Franchement, je pense qu'il y a quelque chose. Hein. Il y a quelque chose avec les arbitres, hein. C'est pas possible. Oh la contre-attaque, oh la contre-attaque, oh la contre-attaque. Ça y va. Allez. 82e. Au deuxième poteau. Il arrive. Il est cuit, mais il arrive. Match nul, un partout. Un bon vieux match nul. Ouais. Je pense que là, à la fin, là, dès qu'on va revenir dans le menu. Je pense que je vais recevoir au moins un ou deux messages au niveau des cartons. Il va y avoir quelques joueurs suspendus parce que là, ça fait 2-3 matchs que je me prends des cartons jaunes. Et je pense qu'il va y avoir quelques suspensions. Hop, on va aller voir ça tout de suite. Joueurs suspendus. Ah, il n'y en a qu'un. Galdames est suspendu pour un match. Ok, donc à mon avis, les autres, prochain match, c'est bon. Mais là, au niveau des cartons, c'est n'importe quoi. C'est vraiment, vraiment n'importe quoi. Du coup, on avance vers... notre dernier match face à Leeds, off pour le poste de sélectionneur des États-Unis. Non merci. Ouais, je ferai l'entraînement juste après ce match. Non, je vais pas le faire juste après parce que sinon je vais perdre une semaine. Hop, impeccable, on simule. Et je pense que je vais faire un petit peu tourner là devant parce que je sais pas, j'ai du mal, soit. J'ai pas de chance, je tape le poteau, soit il y a un problème devant. Il y a un léger souci devant. Oh non, c'est pas là qu'il faut le faire. C'est pas maintenant qu'il faut changer. Hop, on avance. On est parti pour le match. On va remplacer le joueur automatiquement. Voilà. Du coup, il m'a mis qui à la place de Galdames? Je pense qu'il m'a mis Tioté. Tété, pardon. Tioté, qu'est-ce que je raconte? Tioté, c'est l'ancien joueur, d'ailleurs, qui est malheureusement décédé. Ouais, il m'a mis TT, moi je veux pas TT. Je vais mettre Madison. Je vais mettre Madison, Emre Mor. Je vais titulariser. À gauche, ça va être Bailey directement titulaire. Et on va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Pineda, Madison, Caissier. Joris, Mathieu, Hernandez, Serna. On est bon. Là, on est bon. Emre Mor, il est chaud en ce moment, donc je vais le mettre côté droit et on verra bien ce que ça donne. On joue très très bien là, on leur met un gros pressing, on leur impose un gros pressing plutôt.
Et du coup, ça les dérange pas mal. On récupère bien la balle, sauf là, par exemple. Bien joué, Serna. Ah, il va mettre faute. Il va mettre carton en plus. Cette roquette. C'est vrai que Madison, il a quand même une très très grosse frappe. Hein. Allez, on se bat de la tête. Emre Mor, très très bon. Très très bon, le petit Emre Mor. Bon, allez, finis ça. Il prend sa chance. Manque le dernier geste. Remise en touche dans le camp adverse. Léon Bellé. Oh, quand je vous dis qu'il est très très chaud, le petit Emre Mor. Bon, après, là, on a quand même énormément de réussite. Mais ça passe. Et c'est tant mieux pour lui, parce que s'il y a bien un joueur qui mérite de marquer, c'est quand même le petit Emre Mor. Et le centre direct de Bailey, côté gauche, est magnifique aussi. 1-0. Oh, bien joué. Oh, la tête, bien joué. Si tu passes... Bien joué, Madison. Non. Oui. Mais oui, il rate pas. Il rate pas, le buteur. Bien joué, défaut. Oui, dans la course. Oh là, s'il y a un joueur qui est au-dessus du lot, c'est vraiment lui, quoi. Emre Mor. Depuis que je l'ai remis sur son vrai côté. Il peut jouer buteur, mais c'est vrai que les derniers, on l'a utilisé buteur. Mais là, ailier droit, il est vraiment très très bon. Alors, l'extérieur du pied était pas mal aussi, là. Il est. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah non, c'est pied gauche. J'ai pas tout compris, je pense qu'elle est contre. Ah oui, bah oui, parce que je me suis dit, j'ai pas compris, je l'ai vu tirer pied droit, j'ai dit. Ah, les frappes pied droit de Bailey, souvent, c'est pas ça. Et on a énormément de réussite, parce que bon, c'est totalement contré par le mollet du joueur, et derrière, ça vient se loger dans la lucarne, du coup, 3-0. Oh, bien joué, Rudy. Il est tellement fort, Rudy, quand même, c'est. C'est assez impressionnant. Oh, ben il est tout seul devant. Tout seul. Non, trop fort. Je suis dégoûté. Oh. Allez, Emre Mor. T'es plus rapide, c'est toi qui vas aller au duel. Pied droit. Bien joué, Emre Mor. Il est quand même vachement bon maintenant. Belle victoire. 4-0. Rien à dire. On termine en beauté. 14 tirs à 5. Bon, après, c'est Leeds en face, mais tout de même, on a fait un beau match. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir mis Emre Mor à droite et d'avoir décalé, comment il s'appelle, Bailey côté gauche. Mais en tout cas, dans cette composition-là, ça marche très très bien. Donc, je sais pas. Je vais voir dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je vais peut-être retenter l'expérience avec Emre Mor titulaire, mais on verra bien. Là, pour l'instant, c'est la fin de la vidéo. On va faire un petit rapport d'équipe. Rudy, exceptionnel, rien à dire. Il a clairement le niveau pour jouer en Première Ligue, parce qu'il est juste cheaté. Serna, moins 2, malheureusement. Gnagnon, plus 2. Mathieu, moins 1. Hernandez plus 5, Pineda plus 5, Kessier 80 de général, Galdames 78, 3 passes D et 1 but, Bailey 81, 8 buts et 5 passes décisives, il est présent, Jermaine Defoe 10 buts en 15 matchs et 3 passes décisives, de très très bonnes stats, Murphy 17 matchs, 3 buts, 6 passes D, c'est moyen. Notre défenseur central remplaçant, il a pris un petit plus 1. Reda 59 de général. Kluivert 74, il a pris un petit plus 1. Emre Mor 77, 17 matchs, 6 buts et une passe décisive. Pépé toujours pas de but, il augmente. Madison 75, 3 passes décisives pour lui. Et le reste, on s'en fiche un petit peu. Oh, le petit Mariani, 3 buts, 3 passes D. Ramsey, ok. Et puis le reste, c'est pas vraiment vraiment important. Donc voilà pour ce petit rapport d'équipe, les escrocs. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. On se retrouve du coup dans la semaine pour la suite de la Car Manager avec Norwich. Prenez soin de vous, les escrocs. C'était Flo Knox aux manettes.